En escrime, il y a plusieurs blocs d'entraînement. Il y a ce qu'on appelle les matchs, les assauts, où là, les athlètes se rencontrent les uns avec les autres et font des matchs. Et c'est le maître qui donne la séance. Il y a tant de matchs à faire de temps avec tant de récupération. Ça, c'est une séance qu'il peut y avoir. Et ensuite, il y a des séances de leçons, où là, c'est les leçons individuelles, où on est pendant près de entre 45 minutes et 1 heure avec notre élève, et on le fait travailler de manière individuelle, soit de la technique pure où on fait évoluer son jeu, soit des coups à lui qu'on essaye de des points forts qu'on essaye de développer. Et puis ensuite, il y a le travail physique où on peut pendant 1 heure l'emmener sur on fait du physique spécifique, c'est-à-dire on peut les mettre en situation vraiment d'extrême fatigue. Et être proche au niveau intensité physique de ce qu'on retrouve à la compétition. Donc ça, c'est un moment privilégié qu'on a avec notre athlète parce qu'on est vraiment en tête à tête. Il y a des retours de compète aussi où on peut parler énormément à notre athlète dans ces moments-là. Et puis ensuite, il y a un autre travail, un autre bloc qui est les fondamentaux, c'est des déplacements où là, on a tout notre groupe d'athlètes et on leur fait faire des séquences de jambes, un travail collectif de jambes où ils font tous la même séquence. Et c'est moi qui régule la séance.